Ce matin, dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une joie de nous retrouver ce matin. Une joie encore de pouvoir nous tenir debout dans la présence de notre Seigneur. Je lui dis merci. Merci pour cette nuit qu'il a donnée à tout un chacun. Merci pour cette douceur dans laquelle il est venu encore parler. Dans nos cœurs, parler dans nos âmes. Lui dis merci parce qu'il a veillé sur tout un chacun de nous, de par ses anges et de par ses saints. En ce matin encore, il donne à tout un chacun de nous de pouvoir nous tenir debout dans sa présence. Alors il convient que nous puissions unir nos voix à celles des anges pour lui rendre grâce, le glorifier et lui rendre tout honneur qui lui est dû. En ce matin dimanche, ou certainement tu es en train de te préparer pour aller dans sa présence, pour aller communier, pour aller encore déposer tout ce qui a été forme de lourdeur tout au long de cette semaine qui s'est achevée. Où tu vas lui dire « Abba, je te donne tout. Je te donne tout, je dépose vraiment tout ce qui a été une forme de maladresse de ma part envers le prochain. Déposer à tes pieds tout ce qui est manque, qui a été manque d'obéissance, tout ce qui a été fausse humilité en moi, que je dépose à tes pieds. Et Abba, je ne demande qu'une seule chose, que tu puisses encore me fortifier, que tu puisses renouveler mes forces, de sorte à ce que je puisse attaquer cette nouvelle semaine que tu me donneras certainement. Que tu viennes encore renouveler mes pensées pour cette semaine. Que tu viennes me renouveler tout entièrement. Que tu viennes redonner un parfum à mes pensées, un autre parfum à mon cœur et à mon âme. Un autre parfum pour ma maison, pour mes enfants. Un autre parfum pour ma nation et pour toutes les différentes nations. Toi le pain venu du ciel, toi qui te donnes à tout un chacun de nous. Viens nous sanctifier encore en ce jour, dimanche. Viens renouveler notre intérieur. Viens renouveler notre extérieur. Viens renouveler nos forces. Viens renouveler et enlever tout ce qui est faiblesse en nous, tout ce qui a été manquement. Et donne-nous de pouvoir marcher dans une nouvelle dimension avec toi tout au long de cette semaine. Donne-nous une vision dans laquelle nous devons marcher. Rappelle encore à nos âmes à être généreux. Rappelle encore à nos cœurs à être généreux, que nous puissions nous donner au prochain, à celui qui en a besoin. Alors Abba, va à la rencontre de tout un chacun et agrée à l'offrande que nous laissons dans ta maison en ce matin. Toi le créateur de nos vies, à part toi, il n'y a personne. Alpha et Oméga.
Éternel Dieu, éternel Roi, pour cette nouvelle semaine, nous te demandons, par Maman Marie, par tes anges et par tes saints, que tu nous donnes encore de renouveler notre alliance avec toi. Que tu nous donnes encore de pouvoir réapprendre à marcher avec toi tout au long de cette semaine. Que tu nous donnes de pouvoir avoir un regard bienveillant envers le prochain. Que tu nous donnes de pouvoir marcher dans la réconciliation de nos âmes envers le prochain. Que tu nous donnes par ta grâce et par ta compassion de rentrer en faveur de toute grâce et bénédiction que tu as prévue pour nous. Que ce soit des opportunités de travail, que ce soit des opportunités pour nos nations, que ce soit des opportunités pour nos foyers, nos familles et pour nos enfants, que cela se fasse selon tes bonnes grâces à toi, selon tes volontés à toi. Et que ton Saint-Esprit soit au contrôle de toute cette semaine, des heures, des jours, des secondes de cette semaine. Que ton Saint-Esprit encore vienne faire du bien à nos âmes. Que ton Saint-Esprit vienne encore orienter et guider tout un chacun de nous, Alpha et Oméga de nos vies. Alors bien-aimé, c'est dans cette atmosphère et dans cet élan de prière que je te souhaite de passer une très belle journée dominicale avec ta famille, avec tes amis, que cette journée soit remplie de paix, de joie et d'amour. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.